Declaro abierta la 41ª sesión plenaria de la Asamblea General. There are other peacekeeping operations that are small scale but must be resolved in Western Sahara. For example, the decolonization process has been stalled since the United Nations mission for the referendum in Western Sahara. MINORSO was deployed to monitor the ceasefire and organize a referendum in 1991. Despite the best efforts of the diplomatic community, the territory remains occupied, and I am personally concerned about the human rights abuses taking place. Monsieur le Président, au titre du point 4 de l'ordre du jour du Conseil des droits de l'homme relatif à aux situations qui requièrent son attention, nous voudrions sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. France Liberté ne cessera jamais de soutenir et répéter que le Sahara occidental continue de figurer parmi les territoires non autonomes, alors que le Maroc ne figure pas sur la liste de puissances administrantes. Par conséquent, ce que le Royaume du Maroc appelle ses provinces du Sud, ou Sahara marocain, constitue par contre un territoire non autonome où vit un peuple souverain, le peuple sahraoui, à qui le droit à disposer librement de ses ressources a été nié par la colonisation espagnole d'abord et l'occupation de facto du Maroc par la suite. Au Sahara occidental, la répression continue d'être fortement dénoncée et documentée par plusieurs organisations de défense des droits humains, telles Human Rights Watch, Amnesty International. Depuis quelques mois, les dépassements contre la population sahraoui sont plus intenses. Interdiction de sortir vers l'étranger, comme pour les 6 jeunes sahraouis qui ont été empêchés le 6 août dernier par les autorités marocaines de se rendre à Londres pour participer à une conférence à l'initiative de l'organisation Talk Together. Interpellé le 14 août dernier, M. Naama Asfari a été condamné le 27 août à 4 mois d'emprisonnement pour outrage à agent public suite à un échange houleux au cours duquel un agent de la force publique ordonnait à M. Asfari d'ôter de son porte-clés un drapeau de la République arabe sahraoui démocratique. Basé à Paris, M. Asfari est le coprésident du Comité pour le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Parmi les violations des droits de l'homme constatées dans les territoires du Sahara occidental, qui demeurent marquées du sceau de l'impunité, il y a le recours systématique à la torture et l'intimidation des victimes, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires. Beaucoup de défenseurs sahraouis des droits de l'homme ont payé le prix fort. Les défenseurs sahraouis des droits humains constituent une cible de choix pour les autorités marocaines, qui n'ont cessé au cours de ces derniers temps de multiplier les mesures d'intimidation à leur encontre. L'État marocain persiste à violer de manière flagrante et systématique la liberté d'expression du peuple sahraoui, dans un seul but, nier au peuple sahraoui le plein exercice du droit à l'autodétermination. Comme le signale Amnesty International, le refus des autorités marocaines s'inscrit dans le cadre plus général d'une série de mesures imposées par le gouvernement pour restreindre l'exercice légitime de la liberté d'expression. Il faut croire que l'engagement affiché par le Royaume du Maroc en matière de protection et promotion des droits humains ne vaut qu'à l'intérieur de ses propres frontières et ne s'applique pas aux territoires non autonomes qu'il occupe depuis 3 décennies.